Il y a beaucoup, beaucoup de messes. Ouais. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, jeunes, moins jeunes, papys et mamies, indignez-vous, disait un certain Stéphane Hessel, indignez-vous. Le 24 octobre 2014, sur le site du chantier de barrage de Sivens, un jeune homme de 21 ans tombait, mort, tué par un membre des forces de la gendarmerie nationale. Ce jeune homme, c'était Rémi Fraisse. Passionné par les fleurs et plus particulièrement par les plantes médicinales, il œuvrait à construire son avenir, sa vie de botaniste. Venu sur le site avec son ami, il n'était pas un de ces manifestants casseurs professionnels qui empestent les manifs et les médias. Il vivait heureux et était venu simplement soutenir la cause de la zone à défendre du Testet. La journée festive Bon Enfant s'était déroulée dans les meilleures conditions. Mais en fin de journée, et ce malgré les forces dites de l'ordre, quelques échauffourées éclatèrent en bordure de cette zone. Intrigués et curieux, Rémi et ses amis se sont alors rendus pour voir ce qui s'est passé. Des fumigènes et grenades dites défensives furent lancées. Rémi fut alors mortellement blessé par l'une d'entre elles. Coupable, non coupable, pour qui, pourquoi? J'aurais pu être à sa place. Toi aussi le papa, toi aussi la maman, toi aussi le frère, la sœur, toi aussi le papy, la mamie. Tous, nous aurions pu être à la place de Rémi. Indignez-vous, disait Stéphane Hessel, indignez-vous. Aujourd'hui, vendredi 7 novembre, Rémi Fraisse est toujours mort, mais il est devenu à jamais vivant dans notre fort intérieur. En ce début d'automne, la mort a frappé. Rémi est tombé, telle la feuille tourbillonnant. Bien qu'il souffle un vent de révolte dans nos cœurs meurtris, soyons intelligents. Nous sommes les arbres qui demain rayonneront et éclaireront par leurs couleurs nos espoirs de vie meilleure. Construisons cette révolution citoyenne. Œuvrons pour que l'humain redevienne humain et que la raison redevienne raison. Il est maintenant presque 18h. Nous sommes toujours le vendredi 7 novembre. Pas d'hommage officiel ni excuse de l'État républicain français. C'est bien dommage. Stéphane Hessel, si tu nous entends, indigne-toi. Ce soir, à Angers, nous sommes réunis pour rendre hommage, un hommage citoyen à Rémi Fraisse, tombé mort pour le respect de l'environnement. Vous êtes venus avec votre colère, votre tristesse, votre bougie ou votre fleur. Merci pour ce moment intense de recueillement. Rémi, nos pensées vont tout particulièrement à tes proches, à ta famille, à celles et à ceux qui, comme toi, œuvrent pour un monde sans violence, un monde digne et durable. Hommage à toi, Rémi. La nature est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit, ce que l'on sent en soi-même. Elle est belle pour qui la voit, elle est bonne à celui qui l'aime. Elle est juste quand on y croit et qu'on la respecte en soi-même. Regarde le ciel, il te voit. Embrasse la terre, elle t'aime. La vérité, c'est ce qu'on croit. En la nature, c'est toi-même. J'en ressens. Aux arbres. Arbres de la forêt, vous connaissez mon âme. Au gré des envieux, la foule loue et blâme. Vous me connaissez, vous. Vous m'avez vu souvent, seul dans vos profondeurs, regardant et rêvant. Vous le savez, la pierre où court un scarabée, une humble goutte d'eau de fleur en fleur tombée, un nuage, un oiseau m'occupe tout un jour. La contemplation m'emplit le cœur d'amour. Vous m'avez vu 100 fois dans la vallée obscure, avec ces mots que dit l'esprit à la nature, questionner tout bas vos rameaux palpitants. Et du même regard, poursuivre en même temps, pensif, le front baissé, l'œil dans l'herbe profonde, l'étude d'un atome et l'étude du monde. Attentif à vos bruits qui parlent tous un peu, arbre, vous m'avez vu fuir l'homme et chercher Dieu. Feuilles qui tressaillez à la pointe des branches, nid dont le vent au loin sème les plumes blanches, clairières, vallons verts, déserts sombres et doux, vous savez que je suis calme et pur comme vous. Je crois qu'on est dans un grand virage pour prendre une nouvelle ligne droite.
une nouvelle ligne dans le respect de l'humain. Je viens de réaliser, de par cette résistance, combien on peut œuvrer pour un monde meilleur, chacun avec ses propres choix, ou partageant un grand projet de soutien. Dans l'adversité, on se renforce. On devient ses propres convictions. Elles deviennent évidentes. Elles parlent d'elles-mêmes. Elles nous enveloppent, nous rassurent. Alors tout devient possible. Puis il y a eu un grand dérapage comme une fiction. On pourrait se dire qu'on a rêvé, que personne n'est mort. Tellement c'est irrationnel, tellement c'est inimaginable dans l'horreur que tout le monde est blessé à mort. On vient d'arriver en absurdie. On vient de franchir la ligne du non-retour. On vient de sombrer dans une sorte de terrorisme, mis le pied dans une grande brèche, dans une fracture du vrai, du bien, du légitime, du droit tout simplement, du bon droit. Je pense qu'on vient de franchir ce fichu virage. On est en plein dedans, prêt à accélérer, prêt à prendre de la hauteur. On a tout à faire, tout à reconstruire. L'impossible reste à faire. On ne peut pas abandonner le terrain. On ne peut pas laisser ce grand vide défriché, déboisé, détruit. Ce grand vide, vide de sens, vide d'arbres et de ronces, vide de gens, vide de vie, vide du vivant. Je dis ça, mais peut-être que sous la pluie, les salamandres cachés jusqu'alors sont revenus sur les petites rives brutes et dénudées du Tesco. J'imagine les arbustes et les herbes folles reprendre leur bon droit, elles aussi. J'imagine la lune entre deux ondées, baignée de brouillard, tout l'espace jonché de copeaux de bois, séquelles du déboisement intensif sous le feu des engins puissants, bruyants comme des grands carnassiers. J'imagine la lune et ses soleils d'hiver qui arrivent avec le vent et la pluie. Demain, le monde change de cap. Le moteur change de régime. Il s'élance, prend de la puissance et dévore un beau quartier d'espoir. Il a besoin d'une victoire, une victoire sur la bêtise, une victoire sur la pègre, un attentat aux dissimulations, une atteinte à la hiérarchie qui dirige. Le moteur de nos décisions, de nos convictions, a besoin d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'ultime combat. Vive la désobéissance générale pour effectuer le grand virage. On se dit ensemble, bon courage et rendez-vous au 22 novembre.